Quoi? Non, non, rien. Bah si, quoi? Tu vas vraiment faire une vidéo sur Warzone là? Ouais, bah ouais, pourquoi? T'as juste pas l'impression d'être en fin de course, d'être le dernier à en parler. Non, non, bah vas-y, hein. Salut à tous les geekos, c'est Remo Gibbs, le gamer lambda. Vous l'avez deviné, aujourd'hui je vais vous parler de Warzone. Et pourquoi? Bah je vais vous le dire. Tu viens d'imiter Nicolas Sarkozy ou j'ai rêvé? Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je pense que Warzone est arrivé en fin de course. Il y en a un autre qui est en fin de course, moi je te le dis. En effet, je vois tellement de monde se plaindre du jeu, entre les armes déséquilibrées, les bugs, les cheaters, les events un peu nazes. Le SBMM, et sans déconner, la commu en général de Warzone, bah elle est pas ouf quoi. Elle n'est pas ouf. Perso, là j'en ai marre de tomber sur des mecs qui tryhardent, des mecs qui jouent leur vie à chaque game. Non mais sans déconner, est-ce que c'est possible aujourd'hui de lancer le jeu juste pour s'amuser? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Honnêtement, je m'amuse plus sur le multi de Modern Warfare. Et on parle pas de Cold War. Ouh là non, on va pas parler de Cold War. C'est dommage parce que au début de Warzone, c'était vraiment super. Enfin un Battle Royale qui détrônait Fortnite ou PUBG. Mais à la sauce Call of Duty. La recette parfaite quoi. Mais voilà. Le propre de l'homme, frérot. On a quelque chose de bien, il faut que l'homme, avec un grand H, le pourrisse. Oui, mais là on parle de jeux vidéo. Justement, c'est encore pire. Naïf que tu es. Ouais, ouais, je sais, mais ça fait chier quand même. Moi, j'adore rager devant les jeux vidéo. Ça fait partie du truc. Mais quand tu ne fais que ça, c'est plus marrant, quoi. Dites-moi où est le plaisir de se faire allumer par un campeur option camping quechua tank 2 secondes avec le petit réchaud pour se réchauffer des petites merguez. Ou de se faire poutrer par un cheater. J'attends vos réponses. Toutes ces raisons me font penser qu'on arrive en fin de course pour Warzone. Il a dominé le game pendant un an et continue de le dominer, mais c'est en train de s'étouffer. C'est dommage parce qu'il était hyper bien tombé lors du premier confinement l'année dernière. Très bien tombé, hein mon con? Oui, 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 j'en ai bien profité. Quoique, vous le savez, je possède une PlayStation 4 First Generation. Vous savez, la toute carrée là. Une partie sur trois plante. Mais ça plante bien comme il faut. Attention, c'est pas du freeze, c'est pas du bug. Ça coupe. Je retourne sur la page d'accueil de la PlayStation. Je suis obligé de relancer le jeu. Tu vas me dire que je radote, mais il serait peut-être temps d'investir. Je sais! Mais je vais pas acheter une PS5 ou faire un PC monstrueux pour un seul jeu. Mais il n'y a pas que Warzone, mon petit pote. The Last of Us 2. Apex. Valorant. Tu sais tous ces jeux qui passent pas sur ta PlayStation? Oui, bah ça va arriver. Laisse-moi un peu de temps. Tu veux être dans la sauce? Pour l'arrivée du dernier jeu d'une de tes licences préférées? Oh là, non, 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 non. Je sais pas vous, mais moi j'attends Battlefield 6 avec impatience. J'espère de tout cœur qu'il va foutre une grosse claque à Warzone et relancer le game du BR et leur map multijoueur à grande échelle. Quel kiff, bordel! Bon, pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. De temps en temps, le SBM me laisse tranquille, il n'y a pas trop de bugs, j'arrive encore à m'amuser. Parce qu'il y a un truc qu'il faut pas enlever à Warzone. C'est quand t'es dans les derniers survivants. Le stress monte, le suspense est à son comble. Tu as deux possibilités. Y aller comme un bourrin ou à pas de louve. T'as pas le droit de louper une seule balle. Un mauvais move et c'est fini. T'es là, en un contre un. T'en as chié toute ta game pendant 20 minutes pour en arriver là. T'as fait de beaux kills, t'es fier d'être là. Mais tu veux finir en beauté. Tu veux exploser le dernier bien comme il faut. T'es prêt à camper s'il le faut, à utiliser la meilleure arme cheatée. Plus aucune pitié, plus aucun scrupule. Ton beau discours est bien loin derrière toi. Ton objectif est simple, le top 1. Ah, je te reconnais bien là, mon petit loup. Mais, sauf que bah voilà, tu te fais éclater par une FFAR.
Loser. Allez, approche les geekos.